Durant le 19e siècle, la Caisse d'épargne organise un réseau d'agences qui bénéficie d'une politique dynamique de construction et d'aménagement. En 1892, à Sète, un bâtiment neuf dessiné par l'architecte sétois Marius Coulon est ainsi édifié dans la rue Alsace-Lorraine, ouverte depuis peu. Pour le décor intérieur, le peintre a conçu une allégorie triomphale de l'épargne, dont la tunique et la hanche saillante sont empruntées à la statuaire antique. L'épargne se dresse devant le port et le mont Saint-Clair, disposant à ses pieds de tous les attributs symboliques du commerce, de l'agriculture et de l'industrie. Question. Repérez les insectes mêlés à l'ensemble des attributs s'étalant au pied de la statue de l'épargne. Réponse. Bourdonnant autour d'une ruche, les abeilles doivent leur présence à leur forte et multiple symbolique, liée notamment à l'ordre, à la qualité du travail, ou encore au divin, à la force et à la douceur de vivre.